orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin. Et ton âme on m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras, il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre. Bonjour, je suis Samuel Olivier. J'appartiens à ma femme, Élise, et puis j'appartiens au Seigneur aussi, à Jésus. Et puis ça fait déjà plusieurs années que je suis tombé dans le domaine de la louange. Je participe à la louange dans mon assemblée depuis plusieurs années. J'ai eu l'occasion de participer à beaucoup de rencontres, de conférences. Et puis il y a quelques années, on s'est lancé dans une aventure à plusieurs avec des amis avec qui on travaillait. On a appelé ça le collectif Cieux ouverts. Alors c'est un collectif parce que c'est pas un groupe fixe. On aime beaucoup rencontrer des nouvelles personnes, donc partout où on va, on essaie de rencontrer des gens qui aiment louer Dieu, qui aiment chanter, qui aiment faire de la musique, qui aiment peut-être danser ou faire de la peinture ou pour louer Dieu. Et puis on essaie de construire quelque chose ensemble, de créer des relations, de créer des liens, puis de louer Dieu avec simplement ce qu'il nous a donné ensemble. Et puis on parle des cieux ouverts aussi parce que pour nous, la louange, c'est pas juste une histoire de chant et de musique et de passer un bon moment. Mais ce qu'on cherche vraiment, c'est une rencontre vraiment avec Dieu, avec sa présence et qu'on puisse vraiment vivre cette proximité avec Dieu au travers de la louange. On a enregistré un album il y a 2 ans et demi et puis on a été très très content de comment les chants qu'on a pu enregistrer ont été une bénédiction pour l'église francophone. Et on va enregistrer notre second album, notre deuxième album, dans quelques semaines, le 25 et 26 novembre, à la Flèche d'Or, à Paris. Et on a vraiment un rêve pour ces 2 soirées. On aimerait qu'il y ait des chrétiens de toute la région parisienne, et puis même au-delà, qui puissent se réunir pour ces 2 soirées, pour louer Dieu, pour prier, pour intercéder pour la France, pour la ville de Paris, pour tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, et puis qu'on puisse vraiment offrir un sacrifice de louange à Dieu ensemble. Et on a plein de nouveaux chants, on travaille, on répète pour que ce soit vraiment beau, et puis on veut vraiment que ce soit une bénédiction pour l'Église, tous ces nouveaux chants pour pouvoir louer Dieu. Une des choses que je préfère faire au monde, c'est d'écrire des chansons, et en particulier des chansons de louange. Et c'est une capacité qui est assez spécifique, parce que c'est des chants qui doivent être chantés par d'autres, donc c'est pas que des jolies chansons, il faut que ce soit des chants qui soient assez mélodieuses, qui puissent être faciles à retenir, qui puissent être bibliques ou théologiquement corrects, et puis si possible, qui nous permettent d'aborder ce merveilleux message de Jésus et de l'Évangile, mais d'une manière fraîche et nouvelle pour l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Et j'ai commencé un peu par hasard. Au début, moi, j'aimais beaucoup écrire des chansons, simplement. Et puis au fur et à mesure que j'ai commencé à conduire la louange, on m'a demandé de conduire le peuple de Dieu dans la louange. Et puis, à certains moments, il manquait certains chants. Il manquait un chant sur tel thème ou sur qui permettait de faire dire aux gens quelque chose de précis. Et au fur et à mesure que je tombais sur le manque que j'avais par rapport à ces chants, du coup, ça me donnait envie d'écrire le chant qui manquait. Et c'est comme ça que j'ai commencé, puis ça fait déjà maintenant plusieurs années. Et pour le nouvel album, on est en plein dans cette phase de création. Donc on travaille en équipe, on essaye de trouver quels sont les thèmes, quelles sont les images, quelles sont les choses qui vont vraiment toucher le cœur de l'Église aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'Église de France et de l'Église francophone va pouvoir apporter à Dieu comme chanson aujourd'hui? Alors on a plusieurs choses, on essaye de chanter la Bible, on essaye de prendre des psaumes ou des textes bibliques, puis de les chanter spontanément, puis d'essayer de créer des chansons à partir de ça. Des fois c'est une phrase, des fois c'est un mot, des fois c'est une impression générale ou quelque chose qu'on a vécu dans l'équipe qui va vraiment nous marquer, puis on va essayer de transcrire en chanson en fait ce qu'on a vécu. Et le but, ça reste vraiment de nourrir cette relation personnelle avec Christ et cette relation aussi ensemble en tant que corps de Christ. C'est quelque chose qu'on aime faire et qu'on va continuer à faire. Si vous voulez participer à ces 2 soirées de louange, les 25 et 26 novembre à la Flèche d'Or à Paris, prenez vos billets en avance, les places sont limitées, on n'est pas sûr que tout le monde pourra rentrer. Vous pouvez aller sur internet, vous pouvez aller sur notre page Facebook pour trouver les informations, pour pouvoir vous procurer vos places. Venez avec vos amis, venez avec vos familles et puis on va se rassembler, on va louer Dieu ensemble dans cette belle ville de Paris.
À bientôt. Qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père.